Laurent Désiré Kabila, déjà 24 ans, il est parti dans le maquis pour libérer son pays de l'oppression des Occidentaux avec leur bras supplétif, qui était Mobutu. Et il est revenu 32 ans plus tard pour venir libérer ce pays. Donc il a enduré 32 ans de souffrance et il s'est battu seul contre les intempéries, contre les maladies. Il a perdu des amis, il a perdu des êtres chers pour parvenir à libérer ce pays. Et il nous a appris une chose, l'amour du pays et surtout se prendre en charge dans ce pays. Malheureusement, c'est le pouvoir actuel qui se prend en charge pour marcher sur son propre peuple. Et le peuple est incompétent, incapable de réagir par rapport à ses droits. On a vu à la dernière élection des machines à voler, des machines à tricher. Et les gens ont gagné grâce à ces machines. Et aujourd'hui, la démocratie a bas de l'aile. Parce que justement, les gens ne savent pas se prendre en charge. C'est le temps de dire aux gens qu'il est temps de se prendre en charge. Pleurer, pleurer ne résoudra pas le problème. Mais agir, agir peut aider ces pays à se relever. Et c'est notre devoir de le